C'est avec une immense joie que nous avons le plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Nous avons un invité, Garçon Ortica, qui est un pasteur de la région parisienne. Bonjour Garçon. Bonjour. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment Dieu a béni cet homme, comment Dieu a béni aussi sa famille. Je vous laisse en compagnie de la chorale. Commencez à disposer vos cœurs dans le nom de Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Merci à la chorale pour ce merveilleux chant. J'espère que vous avez été bénis. Voilà, alors aujourd'hui je suis avec un invité, je suis avec Garçon. Garçon qui a été mon ancien, qui a été celui que Dieu avait mandaté pour me former dans le ministère, qui m'a permis d'exercer aussi au sein de la mission Zigane Vie Lumière. Alors Garçon, il y a à peu près 27 ans que tu prêches. Si mes notes sont bonnes, tu es aussi à la base de plusieurs œuvres. On n'aime pas trop le dire, mais on sait que Dieu l'a utilisé pour faire de l'évangélisation et, au sein du peuple Tzigane, et de pouvoir permettre aussi à ce peuple de prier, de pouvoir avoir une qualité de vie qui ne dépendrait pas des circonstances, mais justement simplement de la parole et de la présence de Dieu. Dieu l'a utilisé aussi pour faire ce qu'on appelle nous des missions d'été.
Alors une mission d'été, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chapiteaux avec des caravanes qui sillonnent un petit peu toute la France. Et il y a de l'évangélisation qui est fait, il y a des enseignements qui sont tirés de la parole de Dieu qui sont donnés. Et les âmes assoiffées sont bénies par la présence de Dieu. Mon lien avec Garçon est un lien un petit peu particulier, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai senti un appel sur mon cœur, que Dieu m'appelait à prêcher, Dieu m'appelait à aller plus loin avec lui. Et la Bible parle de pères spirituels, de personnes qui vont vous enseigner comment vous comporter, les choses que vous devriez faire, que vous ne devriez plus faire, la manière de lire, la manière de prier, la manière de se comporter, une manière de prêcher, une manière d'enseigner, une manière d'évangéliser. Et Dieu avait suscité cet homme afin de pouvoir participer à ma formation. Je me rappelle, garçon, la première fois qu'on s'est vu, c'était à Gien, sous ce grand rassemblement qu'il y a, où il y a des milliers de caravanes, il y a un grand chapiteau qui est dressé afin que la parole de Dieu soit annoncée. Et j'étais dans ma caravane, garçon, et j'étais en train de jouer de la guitare. La porte était ouverte, et d'un seul coup, j'ai vu une tête rentrer. Et là, c'était garçon. Et on a commencé à discuter. Au début, il y a un lien affectif qui s'est créé par rapport à la musique. Et très vite, on a vu qu'il y avait une volonté de Dieu derrière tout ça. Et le Seigneur a permis une connexion qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais dire à mon peuple, les forains, que si aujourd'hui je suis resté forain, c'est aussi grâce à Garçon. Parce que Garçon m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas de métier chrétien. Et nous, on a reçu des clichés quand on vient à Dieu. Quand on arrive dans la présence de Dieu, il faut tout abandonner, il faut tout arrêter. Alors que non, c'est une rééducation que Dieu veut nous donner. Et puis, il n'y a pas de métier chrétien, mais il y a une façon chrétienne de faire son métier. Et c'est ce que Garçon m'avait appris. Et puis par la suite, il m'a levé au ministère, il m'a amené jusqu'à l'école biblique. Et aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Amen. Merci Garçon, hein, je voulais te le dire devant tout le monde. Alors, Garçon, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus ? J'ai rencontré Jésus, mais j'avais 15 ans seulement, c'était mon expérience. Et puis, dans la journée, on préparait un méfait, j'ai participé à un vol en fait. Et puis, je faisais celui qui surveille pendant que mon collègue était dans le bâtiment en train de sortir, en train de débarrasser. Et puis... dans les heures qu'on suivit, il y avait une réunion de jeunes là où on était. Et puis, je me suis rendu à la réunion de jeunes. Une heure après, j'étais à la réunion de jeunes juste après ça. Et puis, en rentrant dans cette réunion, je me suis assis. Et là, il y a un jeune garçon qui rend témoignage, qui a un peu plus de 20 ans. Et un garçon qui avait été très loin dans le vol. Et il explique, lui, comment il procédait. Alors, c'était, ça faisait peur, c'était effrayant, parce que c'était en moto, c'était l'arrache des sacs, c'était vraiment compliqué. Moi, j'étais là, assis, je venais de commettre un méfait un peu peut-être moins grave, mais ma conscience et aussi l'Esprit de Dieu me parlent et me dit peut-être que plus tard, tu seras comme lui, parce qu'il avait fait de la tôle, lui, il avait été... Et là, j'ai une peur qui vient sur moi, une crainte. Je réalise, je suis conscient de ce que je fais. Qu'on commence par des petites choses et ça peut aller très loin. Et cet homme rend témoignage. Et avec une peur, une crainte, mon cœur s'ouvre dans la réunion, avec une réflexion. Amen. Et la parole de Dieu est annoncée. C'est le frère Jeannot Païen qui annonce le message du Seigneur. C'est une réunion de jeunesse. Il est à peu près minuit. Et quand il fait un appel, dans ma crainte, dans ma peur, dans je comprends ce que j'avais fait, que ce n'était pas bien, je m'engage avec Dieu, je lève ma main. J'avais 15 ans. Et je suis devenu un enfant de Dieu à partir de maintenant, à partir de ce moment-là. Amen. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose. Et puis, le simple fait d'ouvrir son cœur, peu importe la situation, Dieu vient proposer quelque part ses services. Et les services de Dieu, c'est la patience, c'est la bienveillance et c'est surtout l'amour que Dieu va déverser dans notre vie par la vertu du Saint-Esprit afin de pouvoir être dépendant, enfin, des choses du ciel. Amen. Si tu sens que... cette parole est pour toi. Commence à ouvrir ton cœur. Hein. On va aller un petit peu plus loin avec toi, garçon. J'ai une autre question pour toi. Aujourd'hui, tu prêches l'évangile. Tu es évangéliste et aussi pasteur. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles ont été tes expériences? Là où tu as senti que Dieu t'appelait justement à aller plus loin avec lui et à prêcher la parole de Dieu. Ah ben, c'est quelques mois après mes 15 ans.
J'étais en voiture avec ma mère, enroulée. Et puis, j'avais donné mon cœur à Dieu, mais mon père ne voulait pas que je passe par les eaux du baptême. J'étais encore trop jeune. Alors, j'étais engagé dans la foi. Mais c'est l'année d'après que j'allais prendre mon baptême. Mais dans les 6 mois qui a suivi, après, j'ai levé ma main. Et après, je roulais. On était en Savoie, justement. Et je me souviens de quelque chose. Je me souviens, il y avait plein de montagnes. Et puis j'étais dans la voiture avec ma mère, on était en train de rouler. Et puis il y avait sur une des montagnes une petite cabane en tôle galvanisée. Le soleil brillait dessus, puis elle resplendissait, de loin on la voyait, elle brillait. Et puis l'Esprit m'a parlé dans mon cœur, je me rappelle parce que ça m'a marqué. Et le Seigneur m'a dit, un jour tu seras comme cette cabane, tu brilleras. Amen. Et ça pour moi c'était un appel, c'était un désir que j'avais dans mon cœur. Et puis quelques années après, bien sûr, parce que je suis rentré aux écoles bibliques à 23 ans, j'ai servi le Seigneur quelques années après, je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et puis l'appel a été confirmé par deux frères qui sont venus vers moi. Mon père s'est opposé parce que c'était difficile, il avait aussi passé par là. Pas opposé tout de suite, mais il a posé des questions à Dieu parce que c'était son fils. Et puis je me suis engagé donc à 23 ans. Je suis rentré aux écoles publiques parce qu'à cette époque-là, ça allait assez vite. Dans l'année qui a suivi, je suis rentré aux écoles publiques. Ah ouais. Là, tu parles de ton père dans ton témoignage et on a toujours écouté parler de ton père. Hein. Le frère Moussino, pour ceux qui l'ont connu ou ceux qui ont entendu parler de lui. Et il y a un verset qui lui correspond, qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22 et au verset 6. La Bible dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors je ne dis pas que tu es vieux, hein. Mais quand il va vieillir, quand il va attraper de la maturité, quand il va mûrir, en fait, tout ce qu'on a reçu dans notre enfance, automatiquement, il y a quelque chose qui s'est imprimé en nous et le caractère va arriver. Et je sais que ton père a joué un rôle important dans votre famille par rapport à la conversion de beaucoup de personnes. Il était aussi prédicateur de l'Évangile. Est-ce que tu aurais quelques expériences, quelques anecdotes ou vraiment des choses que tu as pu... expérimenter avec lui que tu voudrais nous dire? Je me souviens un jour que mon frère il était en délit de fuite par rapport à la police, c'était assez compliqué. Ah, c'était une famille de brigands quoi. Oui, quelque part, très jeune déjà. Je me souviens que mon père n'a pas voulu participer. Il a laissé son fils. Chez nous ça ne se fait pas ça, c'est dur. Mais par rapport à l'Évangile, il n'a pas pu adhérer, il n'a pas pu aider. Il a participé en rien du tout. Il a dit, ce coup-là, je ne t'aiderai pas, je ne ferai rien pour toi. Et j'ai senti quand même une peine dans le cœur de mon père, mais quelque chose qui gagnait dans l'avenir. Parce que mon frère, aujourd'hui, est serviteur de Dieu. Amen. Parce que j'ai trois frères, j'ai mon frère Maël et Sonny, qui sont serviteurs de Dieu, et Danny aussi, qui est un compositeur de cantiques remarquable. Et je bénis Dieu aujourd'hui, oui, grâce à notre père, parce qu'on a eu un père... Qui aimait lire la parole et qui aimait mettre en pratique les versets de la Bible. Il se questionnait bien souvent, il pouvait demander un peu autour de lui à d'autres frères, c'était pas gênant de dire je comprends pas, explique-moi le verset, qu'est-ce qu'il veut dire. Et quand il comprenait le verset, il le mettait en pratique. Il le mettait en pratique pour lui, pour ses enfants et pour sa famille. La Bible a été pour lui vraiment une source d'inspiration et aussi de bénédiction. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre famille aujourd'hui a connu la grâce, on est une grande famille. Mais le Seigneur a beaucoup œuvré, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui sont tournés vers Dieu, même encore maintenant, ça continue. Ouais, c'était le fruit de son obéissance. C'était le fruit de son obéissance par rapport à la parole. Et de quelle manière il a rencontré le Seigneur ? Alors, mon père a rencontré le Seigneur aussi très jeune. Son histoire, c'est qu'il avait passé par de la peine, parce qu'il avait perdu deux frères, en fait. Et puis... c'est quelqu'un qui dormait très mal. Il y a eu plein de choses par rapport à lui. Il se levait la nuit. Des fois, ça arrivait qu'il m'expliquait ça quand il était tout petit, que ses parents allaient ouvrir la porte de la caravane, le chercher dehors. Il pouvait marcher en pleine nuit. Il était somnambule. Mais avec tout ce qu'il avait passé, avec tout ce qui s'était passé, c'était... La vie, elle donne des coups des fois. C'est pas facile. Et puis, un beau jour, il est venu, il a cru. Quand on y a annoncé l'Évangile, il a cru. Il a cru tout de suite. Payoum, mon cousin Payoum, qui m'expliquait que déjà très jeune, entre de 13 à 15 ans, là, il s'amusait à prêcher l'Évangile déjà. Ah oui. Parce qu'à l'époque, le réveil dans la mission était déjà commencé. Et Payoum le reprenait en disant « Moussino, fais pas ça. Ça se fait pas ce que tu fais, c'est grave. » Mais lui, il disait « Plus tard, je serai un serviteur, je prêcherai l'Évangile. » Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Ah oui. Voilà. On sait que Dieu...
n'a pas de chouchou, il n'y a pas de favoritisme. Toute personne peut rencontrer Jésus à n'importe quel moment, il n'y a pas d'endroit particulier, mais il y a aussi des vérités à expérimenter. Et on sait que quand on élève nos enfants dans les voies de Dieu, la Bible dit que l'homme qui est béni aura une bénédiction qui va arriver sur lui sur 1000 générations. Et je crois, moi, à la vérité, hein, à l'authenticité de la parole de Dieu. Et je vous exhorte donc aussi, père de famille, à ne pas douter, à prendre des décisions fermes pour vos enfants, que ce soit pour les séparer de certaines choses ou pour les positionner dans d'autres choses. Alors j'aurais une question pour toi aussi, garçon. Est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui voudraient aller plus loin avec, avec Jésus ? On sait que la foi, elle est grandissante. On peut avoir une petite foi ou on peut avoir une grande foi. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est aussi d'augmenter ou de faire grandir notre foi. Et la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer dans le monde où on vit aujourd'hui. Il y a trop de logique. Et la foi, elle n'est pas logique. Alors on sait bien expliquer les choses, on sait bien raconter, on sait bien les présenter. Mais la foi, c'est une autre dimension, c'est la dimension de Dieu. Et quand on lit la parole, on rencontre la foi. Et la foi, elle est étonnante, parce qu'elle est grandissante dans nos vies. Et si j'aurais un conseil à donner à ceux qui écoutent ce qui est dit aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit, qui nous dirige par l'action du Saint-Esprit, bien sûr. Mais la parole de Dieu, elle produira la foi dans nos cœurs. Si vous manquez de foi, il suffit de lire, de regarder dans les versets, de ce qui est marqué. Et on s'aperçoit que la Bible, elle est vivante. Elle produit des choses en nous qui nous étonnent. Pour reparler de mon père, à la séparation, mon père est parti très jeune. Il nous a quittés subitement. Ça a été pour nous une catastrophe. On était 4 garçons. Notre père était un exemple, un modèle pour nous, serviteur de Dieu. Et puis à 58 ans, il nous quitte. Mais la foi était là. Et la foi expérimentée, toute sa valeur, il y avait aussi cette consolation à travers la foi. Parce que s'il y a la mort, il y a aussi la vie. Et il y a aussi la résurrection. Et la foi nous permet de croire en Dieu. À un tel point que la douleur, elle devient légère. C'est plus léger. Quand on croit, quand on espère en Dieu, c'est plus facile quand on passe par une séparation. C'est plus facile. Si on ne croit pas, alors il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de gloire. Mais quand on a la foi, il y a la gloire, il y a l'espérance. Et la séparation, c'est pour ça qu'on dit que c'est qu'un au revoir, mais c'est vrai aussi, c'est vrai pour nous. Alors dans ça, j'ai pu expérimenter cette foi en disant, Seigneur, je savais que tu étais grand, mais pas aussi grand que d'aller consoler le cœur d'un enfant brisé. Oui, Dieu est capable de consoler par le moyen de la foi. Et tout ça par le biais de la parole. Donc ça serait le conseil que j'aurais à vous donner. La parole, elle est précieuse. Plus précieuse que l'or. Encore. Plus précieuse que tout ce qu'on a ici-bas sur la terre. La parole de Dieu, elle est vivante. Et ce qu'elle a produit dans nos cœurs, elle peut le produire dans vos cœurs. Je ne connais vos soucis, je ne connais pas vos difficultés, je ne connais pas. Mais je sais que Dieu, par le moyen de sa parole, Amen. Peut agir par la foi. Amen. Alors vous avez retenu ce conseil. Nous avons compris. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, et nous voulons plaire à Dieu. Et sans la foi, tu ne pourras pas voir non plus la gloire de Dieu. Nous savons que les choses que Dieu a déclarées doivent s'accomplir. Et Dieu a déclaré tellement de choses sur l'homme, tellement de choses sur toi, ma sœur, tellement de choses sur toi, mon frère, qu'il faut que tu croies dans les paroles que Dieu a dites, afin que tu puisses être au bénéfice justement de ces paroles. Dieu, on parle de sa présence, on parle de sa gloire, de son être. On parle d'esprit, on parle de vie, on parle de patience, on parle de bienveillance, on parle de puissance, on parle d'autorité, on parle de salut, on parle de conversion, on parle de guérison émotionnelle, corporelle, spirituelle. Pour être au bénéfice véritablement du soupir exprimé de Dieu à travers sa volonté, à travers la Bible, eh bien il faut croire simplement. Si tu crois, c'est ça que garçon est en train de te dire, tu verras la gloire de Dieu et la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Alors je voudrais, garçon, pour conclure ces moments, que tu puisses faire une prière pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce et nous te disons merci de ce que tu es venu jusqu'à nous
Tu t'es révélé à nos cœurs, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Mais nous voudrions aussi partager, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs, avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Seigneur, étends tes mains. Bénis ceux, Seigneur, qui veulent ouvrir leur cœur, ceux qui veulent saisir ta grâce, ceux qui veulent, Seigneur, se mettre au diapason de ta parole. Ta parole produit la foi, Seigneur, et elle est capable d'emmener les gens jusqu'au ciel. Merci pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs. Et bénis, Seigneur, nos auditeurs. Bénis ceux qui nous écoutent. Seigneur, tu refusais personne. Tu ne fais exception de personne. Tu as un cœur rempli d'amour et tes bras sont encore tendus vers nous. Bénis, je te le demande maintenant, Seigneur. Tu connais les soucis, tu connais les problèmes, les difficultés, les charges trop lourdes. Seigneur, viens intervenir dans le cœur de celui qui le désire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On ne voudrait plus arrêter ces moments, hein, quand Dieu est là, quand la présence de Dieu est là. Je te remercie, garçon, pour ta disponibilité. Je sais que ce n'est pas aussi un exercice facile, mais on met tout notre cœur afin que vous soyez bénis. J'espère que ça vous a parlé. Si tu as été béni par ces moments, n'hésite pas à mettre en commentaire les choses que tu as reçues. Si tu as des questions, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aussi envoyer des commentaires en privé. Et nous allons faire en sorte de pouvoir, par la grâce de Dieu, te répondre à travers sa parole, te présenter des pasteurs, te mettre dans une église si tu as besoin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec Jésus, tout est possible.